watch it. Oh pardon, pardon, ça va. C'est pas moi. Incroyable. C'est trop beau, c'est trop beau. Toujours dans les pattes, toujours. Qu'est-ce qu'ils vont me dire si j'approche? Est-ce que je vais exploser? Il n'y a rien là, je peux traverser. Bon, il n'y a pas d'effet dégueulasse, genre j'explose. Quoi? Va-t'en, Oust, va-t'en! Il y a la police, quoi. C'est quoi mon ami? N'approche pas des sentinelles. Elles sont méchantes, elles ont eu mon pote Pablo. Il en a pris pour 350 ans. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? 350 ans! Combien? Wow. Que marchait près de l'ascenseur quand les sentinelles m'ont hurlé dessus? Ça fait des années qu'on me raconte que la surface est inhabitable. On accepte ça sans... comme un fait établi, mais pourquoi? Pourquoi? Oh, quelle jolie photo. Mon disque dur bug. Je suis désolé de ne pas pouvoir télé. Oh! C'est là la rue. C'est complètement là la rue. On reconnaît, hein. C'est là, c'est ici. Trois points verts. C'est là, hein. C'est pas cool, c'est tellement cool. Je vois pas ce qui pourrait arriver. Ouais, je la connais, on se voyait beaucoup. Je crois qu'elle vit par ici. Elle parle tout le temps de quitter la ville, je comprends pas. Cet endroit est super, pourquoi partir? Ok. Bâtiment, 3 points verts. Hé, crétin, on te voit aussi! Ces cassettes sont à nos... T'as pas appris à voler, hein, que voler c'est mal? Je peux t'en donner une, mais tu dois faire quelque chose pour Gemma, Nico et moi. Les sentinelles ont installé 3 caméras de sécurité pour nous surveiller. Oui, étage, porte. Étage, porte, oh oui. On n'aime pas ça du tout. Tu peux nous en débarrasser? Les caméras? Non, je peux pas te débarrasser. Donc ça, c'est le premier étage. Deuxième étage. C'est tellement bien foutu. C'est tellement bien modélisé, tu sais quoi? Troisième étage. Porte. Ah, peut-être que... Non, je croyais que je pouvais éteindre. Caméra.
Go dégrader les caméras de surveillance. Non, je peux pas faire une riscouillette sur une patchée là. C'est là? Non, 5. Trois. Quatre. Et si c'est là? Alors. Une sans laisse? Qu'est-ce que tu veux? Dans ce baltard, c'est résolu en vrai. Imagine que tu manœuvres la recrue. Tu n'es pas bien gros. Comment tu fais pour franchir les égouts? Tu dois être bien malin. J'aimerais m'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière, mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance. Puisque tu es là, tu peux te rendre utile. Suis-moi. Le mélange de cyberpunk et plante, c'est incroyable. C'est incroyable. Je prépare un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment. J'ai même les clés pour commencer. Il manque plus qu'une pile atomique. J'ai déjà vu ce Michael Bay. Ça se finit pas super bien. Mais quand même. Tu sais que Neko Corporation en cache une dans son usine. Hein. Cette vie en année, les... les sacs bananes sont encore à la mode. J'ai un contact qui pourrait nous aider à nous infiltrer. On sait ce qu'une pile atomique peut faire dans Frostpunk. C'est le robot qui porte une veste bomber et une chaîne en or. Veste bomber. D'être aussi petit vif que toi devrait avoir aucun problème à se refiler. Ok. Donc, bomber plus... beau ça. Beau des années 80. Non, je trouve que le... En fait, c'est du rétro-futur, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est giga beau, hein. Oh, avec effet flashy. Bombers et chaîne en or. Oh! Mais si, je peux carrément le faire. Ouais, je croyais que je pouvais pas le faire. Casser les caméras. Vandale, vaurien. Je m'y fais pas. S'il pouvait lire mon cœur! Verrait-il un mendiant? Il est où le deuxième? Troisième? Un, deux. Oh Seigneur. Ah, le troisième est là. Zzzzt. Non, je vais m'en parler sinon. Magnifique cover. Oh, 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 oh. Oh! Toi-même, tu sais. Mais bien sûr.
Snake! Snake! Troisième, il est là. Y accéder. Snake. Ok, facile. Youpidou. Oh là. En plus, il fait même pas d'action de ouf, quoi. Juste, il se pose dessus. Mes chats font ça, c'est l'après-midi. Bien joué, je t'en croyais pas capable. Tiens, prends la récompense, tu l'avais mérité. Profite de notre chanson, tu vas l'adorer. C'est trop stylé, c'est trop stylé. J'adore la musique. Bomberse. Bonjour. Avant, je tenais. Bah, c'était l'endroit le plus confortable du coin. C'est ce que je prenne un coup de tournevis dans le genou et j'ai dû fermer. Quoi ? Ce type me déprime. C'est mon seul client. J'essaie de pas le faire fuir. S'il te plaît. Ok. Là, se prennent des coups de tournevis, ça, quand même. Ouais. Tu veux passer dans la ville en dessous? J'avais un ami là-bas. Fifi. Je ne l'ai pas vu depuis des lustres. Bombers, chaîne en or. Il y a vraiment une... Enfin, il y a une vraie qualité de direction artistique. Tout est cohérent de ouf. Ah, oh, oh, oh. Bombers. Cet escroc de marchand m'a vendu une bactérie défectueuse. Batterie, batterie. Maintenant, il fait semblant de pas m'entendre quand je lui veux en parler. C'est destiné de patrouiller pas dans le secteur et finirait en pièces détachées. C'est pas un bomber, ça? Ah, il a pas de couleur noire. Il est éteint. Il est complètement éteint, hein? 24-58, et doc. Il y a un coffre, vous croyez? Nouvel objet. C'est pas... Je trouve que c'est pas surabondant. En termes de fouilles, je trouve que c'est pas surabondant, qu'il n'y en a pas trop, en fait. Je trouve ça bien parce que... On en connaît plein des jeux qui sont... Comme ça, avec une surabondance partout, partout. Vous savez, un peu à la Assassin's Creed, en fait. Je laisse à demain sur un place mon bras par un autre bras bionique et le lendemain par un autre bras bionique. Mon corps et ainsi de suite. Je sais ce qu'a remplacé toutes mes autres pièces. Ou chez ce geste. Serais-je le même robot? Serais-je le même robot?
magasin de vêtements. Oh. Mais d'abord. Es-tu un de ces punks qui écoute de la musique à fond toute la journée? Ne touche à rien, ne fais aucun bruit. Mais oui, c'est Blazer. C'est un habitué. Je viens de le voir au DDR, ma bousique. J'ignore ce qu'il mijote. Blazer. Qui porte un bomber. On peut me cacher dans les... Oh! Attention qu'il est saoulé. Oh, attends. Pardon, monsieur. Je viens de mater dans une cabine d'essayage, là, en fait. Hein. Vraiment de piquer une veste là? Derrière la boutique. Hein. Peut-être là. Hein. C'était JDG 2117. Oh. Longue vie aux extérioristes. Ok. Je vais dans le coin. Ok, continue de chercher Clémentine. Ah oh non, mais ils sont à balle en fait. Ils sont tout pleins. Tranquille. Quelle société capitaliste. Allez. C'est pas un bomber. Mais il y a deux. Wouah. Mais la violence. Ok. Il rôde du côté de l'usine en ce moment. Ok. Du côté de l'usine. J'attends. Si tu plâches pour m'aider à livrer des chapeaux. Faut entraîner au bar, il va payer cher. Du côté de l'usine. Nécocorp. C'est là. C'est dans la rue voisine. Oh 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 oh. Je vais occuper, qu'est-ce que tu veux? Tu es avec les 1-1-1. Et t'expliquer pour la pile atomique. Oui, vas-y, explique-moi pour la pile atomique. Doucement mais sûrement, ok. Il alimente l'usine des Cocorps, qui est tout près, mais tout le secteur est interdit lors de mon gardeur. Il fait tout le monde et refuse quiconque n'est pas ouvrier. J'ai une idée. Trouve-moi une veste d'ouvrière. Tu veux dire une veste d'ouvrière?
Cette veste est exactement ce qu'il nous fallait. Il nous faut toujours un casque d'ouvrier. Oh. Si j'attends... Oh! Ok, je crois avoir compris. Mon chapeau! Je crois qu'il faut aller en hauteur, faire tomber un truc. Je crois que c'est ça, hein. Oh, voilà, passer par là. On refait une coupe. Hein. Ah, c'est marrant ça. Petit beau jeu, on joue un chat. Ils sont vraiment les maîtres des internets. Ils ont vraiment réussi un coup de maître. Pour le coup. T'as justement à viser pour être meilleur à ce jeu-là. J'ai l'impression qu'on prend le mauvais chemin là. Hein. C'est pas là, il est complètement lubrifié. On a peine. Ok. Ah ouais! Oh! Il aurait pas un casque? On l'entend dormir? C'est lui qui va aller... Attendez. C'est lui que l'autre attend. Il va rejoindre son camarade. J'ai un plan. Peut-être aller dans le carton. Il faut quand même... Alors, c'est pas moi! Très important. Ah, ouin, ouin. Je sais pas aller essayer l'autre, hein, je crois pas, non. Je peux pas faire tomber tous les chapeaux. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi! Eh, psst, laser! Tu regardes quoi là-bas? Ok. C'est casse ça à le faire. Ok, je vais m'habiller. Tu veux bien te retourner?
pas dit oui. Pas dit oui, hein. Méconnaissable. Ça me bodine un peu au niveau de la taille, ça ira. Saute dans cette boîte. Je vais passer le point de contrôle. Hop là! C'est parti pour la pile atomique. Ok. J'ai quand même vérifié le carton. Hein. Note, miaou. C'est bon. C'est bon. T'as l'air d'être parfaitement sous contrôle. Alors, on a essayé, c'est un peu violent, on a apprécié. Alors, Snake. Non, non. J'ai vu une goutte de sueur, mais c'est parce qu'il fait chaud. On aille. Là, ici en hauteur, non. Ça marche pas. Je devrais m'appeler Jonathan et Jennifer. En prénom composé. John Jen, tu vois. Moi, je suis Snake qui arrive dans l'usine des méchants et qui fait « Vous me trouverez pas !» Bah, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Jonathan et... Qu'est-ce que je vais faire, hein. J'ai perdu les clés de chez moi. C'est un endroit immense et sombre. Mais tu sais quoi? Ouh.
fait. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Oh. Je pense qu'on va aider le gars et qu'il va nous aider par là. Allergique ou pas le chat. Je l'ai dit hein. Bon, ah, peut-être en revenant dans l'autre sens. Oh. Ouais, ok. Descendre de l'autre côté. J'adore ce genre de jeu. Je sais pas si ça se voit, mais... Oh, ouais, ils sont quand même lestes. Hein. Ils auraient pu être vachement plus violents en termes de détection. Parce qu'il y a d'autres jeux, ça laisse aucune marge d'erreur. Aucune. Hein. Que ça, tu te fais gauler là-dessus, c'est laisse tomber quoi. Ah ok, ça y est, j'ai. Bon déjà, je vais peut-être l'attirer vers moi pour servir d'appui pour monter là. Ah ok, très bien. Il faut, ça y est, j'ai. Faut ouvrir là. Faire venir celui-là. Les photos que plus hein. Alors, on le fait venir. Ah, très bien. On prend l'autre, on l'active. C'est très intuitif. C'est extrêmement intuitif. Dessus et on a même 3 heures.
Et c'est comme ça qu'on prend la pile atomique de l'usine la plus importante du monde. En ayant trois verrous basés sur... sur un poids. Ah, vous m'avez vu jouer à Little Planet. Pour amener cette pile à Clémentine. Franchement, vous m'avez vu jouer à Little Planet. Volé par un chat. Manipulé par un robot. Quelle ambiance incroyable. Je suis époustouflé. On est vraiment dans un autre univers. Je charge la bagarre. Ils ont trouvé Clémentine. Non. Les clés de l'ouvrier ? Bah tant pis, il avait qu'à... mieux chercher. Non, non, mais Maillard ! Pourquoi je m'ai miaulé ? Pourquoi j'ai fait ça ? Easy. Ce ne sont pas ces miaou que vous recherchez. Impossible. Tout ça est une arnaque, je jure. 53 faux salaires. Moi, je pense qu'il faudrait quand même trouver la personne qui a programmé ces robots. Parce que c'est pas hyper... c'est pas hyper sécurisé, si je peux me permettre. Après, ils s'attendent pas à ce que ce soit un chat qui puisse venir. Je comprends que... Et là... Oh non. Oh, le timing. Ouh.
J'ai la pile atomique. Okay. Aucun signe de Clémentine. Mais pas encore! Bonjour, détective, découvert ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde, la façon du chat, la réponse est dans mes affaires. Et puis il y a 4 symboles. C'est signé Clémentine. Ok, 4 symboles, ok. Celui-là déjà. Le mot de passe, à mon avis, il faut rentrer un mot de passe à base des 4 symboles trouvés. Je sais pas ce que c'est le deuxième. On dirait une théière. Un pot d'oignon. Ouais, c'est un pot de plan. Oh. Vous détectez les produits chimiques inoffensifs à l'état gazeux. Ils peuvent recréer la sensation d'apaisement dont je me souviens. Comme moi, les compagnons n'ont pas d'odorat. Alors je me demande pourquoi ils font ça. Il y a aussi un message caché sur le récepteur. Je suis avec. Ok. Bon, heureusement, c'est allé, c'était pas grave, mais. Oh. Hein? Oh. Ah, ok. Mais pas con. Pas le temps de niaiser. Ah, le duplex. La valeur moyenne est une pureté faible à brillance, semble avoir été ajoutée à proximité. Sert peut-être de guide pour nous aider à trouver quelque chose d'utile. Bingo, il y a un message. Je suis avec Blazer. Ah! T'es pas en stream, je pense que je serais en mode juste. J'admire en fait le paysage. Pardon ? Ok. Oui. Ça va là ? Tu t'étires ? On a quand même une pile atomique avec nous. Il nous en manque deux autres. Hein. Fais dormir le chat quelque part, écrire des textes avec musique en fond. C'est un drôle de truc à mettre dans un appartement. Ah, on sait pas s'il est dans l'indice. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. C'est assez marrant. J'ai laissé un message. Venez au... Ah! Ah! Ok. Peut-être faire tomber un tableau. Oh, 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 j'ignore totalement ce que c'est, mais ça brille et c'est un peu envoûtant. Désolé, j'étais absent. J'ai même pas remarqué ce message-là. Club! Club! Ok. Je suis avec Blazer, venez au club. Bien joué, inspecteur de chat. Ok. Bouh ! Deux, deux, cinq, cinq.
rythme un club là. Là, le club. Eux, je les ai aidés. Ils vont m'aider à rentrer. Oh, ce chat qui fait tout. C'est bon, pote. Pourquoi tu n'y es pas plus près pour que je puisse t'observer? Comment il est monté là? Un club de robots tenu. Le fantasme et la réalité. Regarde-moi cette petite beauté. C'est tout, ok. Hein. Monter ici, je ne sais pas. Entre, viens boire un coup. Oh mais trop bien, trop bien. Eh, j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance. J'adore. Je suis très fan. On dirait la hague de DBD. La hague 2117. Je pense qu'il y a trop la hague. Hein. Il sent très lui. Il sent très vide. Complètement vide. Oh lui, il est tellement stylé lui. Bien mon masque, c'est moi qui l'ai fait. Ça brouille les scans des sentinelles. C'est quoi ça sent? Ça sent les frappes, je vais récupérer ça. C'est hyper stylé. C'est hyper. Il est. Lui, il est complètement lubrifié, lui. Matsy, que la fête commence et la première chose demandée par notre ami plus que douteux Blazer. On dirait trop Daft Punk. Oh, je vais appuyer sur Y. Je veux mixer. Je veux mixer. Laissez-moi mixer. On peut pas mettre la pile atomique dans les basses. Ok. On est là pour sauver le monde déjà. On va chercher Blazer. Oula, ça va arriver. Ça me fait trop délire. Ça me fait trop délire. Oula. Ça me fait trop trop délire. J'ai volé ce... Oh! Tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. Pas besoin de... J'ai pas envie de me faire pas avec. Ok, on va aller prendre à boire. Bonjour! L'accès au balcon VIP est fermé, c'est réservé à des affaires privées.
veux quand même boire. C'est long. Non, non, je veux... Tu veux une pile atomique? Non mais tout est incroyable. Tout est incroyable ici. Je vais pouvoir monter. Trop bien, trop bien. Je vous jure, je kiffe. Voilà, c'est bon, là, on l'a. Bonjour, je suis un chat. Je suis là pour semer le chaos. Ok. Enfin. Quoi? Hein? Blazer travaille pour... C'est ouf parce que... Elle est... Elle est baïonnée, c'est un robot. Elle a oumph oumph. Le traître. Le traître! Elle transpire. C'est excellent. A plus valeur que l'amitié ou la camaraderie, ils sont à vous. Faut déhuiler sur 12 mètres. Oh non! Non!